Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo sur le Snake avec Twigo. Oui les gars, je vais faire le Snake avec Twigo, ça va être marrant, vraiment ça va être marrant. Je me suis dit, tu sais quoi Iron, go faire une vidéo tranquille à Mente, suite à la vidéo d'aujourd'hui, donc la vidéo sur les 20 000 abonnés. D'ailleurs encore une fois, merci tout le monde, j'ai lu tous vos commentaires, ça fait grave plaisir. Mais là aujourd'hui, surtout dans cette vidéo, on est là pour détruire le Snake avec notre ami Twigod. Twigod Erir. Donc je l'ai mis en défrite dans la vidéo. Je l'ai mis en défrite. Histoire qu'il tente un peu plus. Parce que bon, Twigo, on sait très bien. C'est un personnage qui galère quand même, hein, clairement. Et Elisabeth en full défense avec taux 2. Récupération en bas à droite. Le set de cartes, le voici. Et on est parti. En plus, le truc qui est intéressant avec la team, c'est que bah, la team est full rouge. Donc on va profiter du passif de Twigo. Et en vrai, de vrai, 30% de PV. C'est vraiment pas dégueu, hein. Je vous dis les gars, franchement, 30% de PV, il y a moyen de faire des petites dingueries, ça peut être marrant. Après, Twigo, est-ce qu'il va faire mal? En vrai, je pense qu'avec l'aspect d'Elisabeth, il fera des dégâts ok, faut pas s'attendre non plus à des grosses dingueries, hein, mais je pense qu'il fera des dégâts ok. On sera peut-être étonné du perso, hein. Qui sait, hein. Parce qu'on va tester maintenant, hein. Attention, hein. Il n'y en a pas crit avec Freya. Voilà, dégâts de frère aussi. Ou frère, bref. Oh là 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 là. Oh là 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 là, Broken. Franchement, les gars, Broken, je suis jaloux. C'est faux. Bon, je vois en même temps un petit Schweppes 0. Agrume, ça fait tellement du bien, les gars. Le gosier. T'as dit, on a combien de PV avec la team? C'est intéressant. 380. Oh, en vrai, franchement, les gars, c'est pas mal, hein. En vrai, les PV sont pas dégueux, hein. On est qu'au début de la game, on a encore rien stacké. D'accord. Pas mal, hein. Franchement, les gars, c'est pas dégueu, hein. Let's go, on va heal. Hop, buff. Heal. Boum. Oh, j'aime pas son chambre avec Freya. Crit. Ah. Donc, les dégâts, c'est vrai qu'on est en manque de dégâts, hein, clairement. En fait, Freya, faut qu'elle soit stack. Pour qu'elle fasse, on va dire, des bons dégâts, en fait. Compliqué cette histoire, hein. Complicado, les amis. Complicado. En fait, dès qu'Elisabeth sera lancée, la game tranquille, hein, je pense. Hein. Je pense tranquille. Hein. On va recline, je pense. Hein. Histoire de vider la main. Vas-y, go. Hein. Je sais même pas si on va tuer avec, avec Twigo. En vrai, je pense pas, hein. On peut voir les stats. Hein. Oh, 42 000. Broken, hein. Franchement, les gars. Broken, hein. C'est faux. En vrai, enfin, le perso. Après, c'est un R, hein. J'ai envie de dire, les gars. Faut pas non plus s'attendre à des grosses dingueries, hein. Le personnage est ok, quoi. Hein. Bon, là, on va commencer à faire très mal, hein. Je le redis. Est-ce qu'on rush de spé, en vrai? Je pense qu'on peut se permettre de faire ça, honnêtement. Vas-y, go. Pas de spé, je veux dire, enchaîner les spé avec Elisabeth, pardon. C'est mieux dit comme ça. Voilà, faire mal, hein. Y a pas de, de sur... Ok. Il me semble que ici avec ces réductions, il y a un damage cap qui est différent. Je crois, je sais plus, hein, peut-être que je dis n'importe quoi. En vrai, c'est une boutade, en fait. Est-ce qu'on va tanker? Donc là, je me fais snatch. Faut pas que je prenne deux crits, bon, ça va être compliqué de prendre... Ok, bon, tranquille, après. Lol. Easy peasy, comme on dit. En vrai, de vrai... En vrai, peut-être moins qu'on le tue ici, hein. Je pense. Je pense qu'on va... Au pire, on met toutes les spé. Et on se peut à la fin, Elisabeth, hein. Let's go, hein. Oh, on fait pas de dégâts, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais, y a un damage cap bizarre ici. 46 000. D'accord. J'ai un peu déçu quand même. Hein. Twigo, tu m'as un peu déçu là. Et le mec, imagine. Imagine, t'es déçu de Twigo. Juste imagine. Hein. Ah, bro, c'est marrant la tankiness de la team. C'est que la team tank très bien par contre. Hein. La team a une très bonne tankiness. C'est très marrant.
Alors là, par contre, bonne tankiness, mais il faut chou en fait un jour. Ça serait cool, t'es en train de galérer. Étage 1, quand même. T'as 33 000 avec toutes les réductions. Ok. Bon, c'est nul, hein, mais on fait genre. Attention, frère, essaye de mettre un pixel, s'il te plaît. Ah, on tue pas avec le rebond de Freya, non. Ah. On va perdre tous les buffs. Meurs pas, s'il te plaît, Elisabeth. Meurs pas, ma gronde. Ok, c'est qu'il y a la posture, j'avais oublié. My bad, les amis. On va faire ça. 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 T'as vraiment, les gars, complicado, cette histoire, hein. MDR, hein. Oh, le combat le plus bizarre de l'histoire, hein, du jeu. C'est catastrophique, hein. Vraiment, hein. Ah, je vous jure, les gars, que c'est une catastrophe, hein. On est qu'étage 1, les gars, je suis en PLS isométrique. Après, les gars, je le redis, mais avec Elisabeth, le point positif, c'est qu'on peut tanker tranquille, quoi. Regarde les stats de la team, frérot, look that. Hein. Déjà, Twigo, en vrai, ça va. Hein. En vrai, l'attaque, honnêtement, ça va. Hein. Genre, c'est pas non plus déconnant. Tu sais quoi, on va taper avant avec ça. Let's go. On va pas booster la team, comme ça, on va pas trop le taper. 26 000. J'aurais dû booster. What the fuck? Oh les non-dégâts. Oh, oh. Oh les non-dégâts. Broken en fait. Oh je suis mort. Les larmichettes quand même. Hein. Bah c'est qu'en termes de tankiness on est pas mal. Hein. N'empêche pourquoi je fais mon snake avec Twigo. Genre vraiment je me pose la question. Hein. Me pose la question là, je me dis mais en fait Iron qu'est-ce que tu fous? Bon, on va y l'avant. Combien d'attaques le perso là? De toute façon bon là comme beau après bon, la team est cheatée hein, je veux dire Bref. Boum. Ah bah après les gars, je le redis hein, mais dès que vous êtes stacké avec ce genre de team, honnêtement ça va hein, genre tranquille hein. Ça débarque quand même hein. De jouer avec Twigo. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Bon, par contre, il faut être honnête, c'est que si je drop beaucoup de skills de Twigo, en vrai de vrai, je pense que je suis décédé. Hein. Parce que Twigo, les gars, les dégâts, c'est pas présent. Hein. Les autres persos carry, hein, clairement. Mais Twigo, bah, il fait presque rien en soi. Hein. Peut-être qu'il est sur la barre, why not, mais bon, en vrai, là... Faut surtout d'épaisse quoi, c'est le plus important j'ai envie de dire. Bon là on va taper hein, bêtement en vrai. Go tout mettre. Pas taper avec Twigo malheureusement. Je suis un peu déçu du perso. Il faut juste baisser sa barre. Hein. Et petit crit, hein, qui fait plaisir. Hein. On stack la relique gentiment de notre ami Freya. T'as pas de frère, c'est que les dégâts sont juste totalement abusés. Hein. C'est là que tu te rends compte que ce perso est juste déséquilibré dans le jeu. Hein. Genre frère, c'est le personnage parfait dans le jeu actuellement en fait. Il est tellement fort. Hein. Bah c'est pas... Attends, mais wesh, la vie qu'on a. Mais c'est incroyable en fait. J'ai l'impression que Twigo ne bouge pas. Hein. C'est un truc de ouf en fait. The fuck? La Twigo, je t'aime en fait. En vrai de vrai, je pense que je vais tempo. Je vais tempo. Est-ce qu'on met les deux? On va temporiser, honnêtement. Est-ce qu'on rush Elisabeth? Je pense qu'on va rush Elisabeth. Let's go. On va pas clean ça après, malheureusement. Mais je pense que c'est le meilleur. En fait, le truc, c'est que je fais pas non plus dans mon dégâts. Alors, regarde mes dégâts. Enfin, je veux dire, frérot. C'est un peu nul, non? Genre, oui, c'est cool. On va faire un peu. On va faire des dégâts. Ok, mais bon. Après, il faut tuer avec Elisabeth, quoi. Et ça, malheureusement, les amis, bah, c'est plus compliqué, quoi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc là, on va faire ça. Est-ce qu'on tue? Ouf. Oh, le petit crit, là. Hein. Allez, Elisabeth. T'es broken. En plus, il y a ton boost maintenant. Ouf, ah ouais, j'ai eu peur quand même.
Ouf, oh le poison. Oh le poison, comment il fait trop mal. Ah c'est que le poison par contre les gars ils pardonnent pas. Hein. Ah donne-moi un cleanse, comme ça on est bien mentalement j'ai envie de dire. Pas de cleanse. Je vais me foutre en l'air mais tranquille. Ouais. Oh focus il va aller sur qui là. Ouf. Oh frère, calme-toi mon ref. Hein. Je te sens un peu trop broken actuellement. Hein. Ouais c'est une dinguerie, bon lui il fait rien du tout. Un bon personnage hein. Très très. Oh nice. Nice tout ça les amis. Nice. Bon en vrai on va rien prendre. Hein. Je veux dire les gars. En vrai la team elle est juste trop forte. Hein. Honnêtement les gars la team elle est juste trop cheatée. Hein. Elle est juste totalement broken la team. La potion on va l'enlever après en vrai. Est-ce qu'on a besoin de heal en vrai, de vrai? Est-ce que je heal? Quoi, je vois comme ça en vrai? Oh! Bon dégât là, hein! C'est fou. Ça n'empêche l'aspect. Dis-toi, le skill d'Eli fait autant de dégâts que l'aspect de Twigo, alors que Twigo a quand même un bon multiplicateur. Mon frère, hein, toujours là, toujours présent, le ref. On te fait un bisou. Non, pas de blocage de spé. Quoi, c'est blocage de spé ça ou le truc de def? Ok, on a eu de la luck, hein, clairement. On a eu de la luck, les amis. Donc, on va faire ça. Faudrait l'aspect de frayant, en vrai de vrai. Et on va. Pas cleanse, d'ailleurs. Et on va garder un skill. Le cleanse, on va garder après pour le poison. Est-ce qu'on cleanse directement dès qu'on entre dans le combat? En vrai, j'ai pas bougé, j'ai juste vidé ma main. Twigo, je vais le jarter. Ce truc est clairement inutile. Hop. Oh les dégâts de la team. C'est quoi après je vais regarder les PV parce que là c'est très intéressant de voir la vie de la team. J'ai l'impression qu'on a des stats de zinzin de l'espace là. J'ai l'impression qu'on a un meilleur d'attaque. Ça je crois qu'on est full stacké comparé à l'autre combat. Je crois l'autre combat on était presque full stacké. Est-ce que là d'ailleurs bonne question. Est-ce que je... En vrai, je pense que j'ai gardé mon cleanse au moment, on va dire, le plus intéressant. Parce que là, en vrai, je pense que je peux juste tanker tranquille. Bon, là, on va mettre l'SP, hein, forcément. Bah, 804 000 PV, enfin... Après, il y a les boosts de frère, hein, mais frérot, 804 000 PV. Comment tu veux mourir, en fait? La team est juste débile, en fait. 900 000 PV, frérot. 900 000 PV. Même l'attaque, hein, mine de rien, on n'en parle pas assez, mais l'attaque aussi, what the fuck. Hein. Oh, les dégâts sont juste... Ouais, c'est juste broken, en fait, tout simplement. Hop, avec Freya, on va toujours réduire. Bon, Freya aussi. T'es moins incroyable, ce perso, mine de rien. T'es mon cheatay. Ok. En vrai, je vais pas cleanse maintenant. Je vais cleanse après, en vrai. Parce que là, en fait, je peux juste enchaîner mes heals. Très bêtement. Vous connaissez les plays. C'est très classique. Faire ça, en vrai. En vrai, c'est nappe. Hein. Genre, les gars. Franchement, ce genre de team, c'est juste débile. Hein. Regardez, regardez les dégâts, mais regardez comment c'est simple. Comment c'est trop simple. Genre, il n'y a aucune difficulté, c'est aberrant, je vous jure. Regardez les gars, j'enchaîne mes SP, mais c'est trop simple. Je prends aucun dégât, ouais, je prends vraiment aucun dégât. Hein. Genre là, dis-toi, en fait, je m'en fous. Parce que là, je me rouille. Limite, ce qui m'a fait le plus de dégâts, c'était les corrosions. Clairement. Je te jure, hein, c'était les corrosions. The fuck, c'est bizarre de dire ça, hein. Oh là, on va cleanse. Encore une fée pour se remettre full vie, les gars. Oh, c'est chaud, hein. Genre, vraiment, les gars... assez cl... En vrai, frère, c'est tellement cheaté. Ce perso est trop broken, hein, vraiment. Hein. En PvE depuis sa relique. N'importe quoi. Hein. En vrai, là, il va quand même bien se régène, hein, mine de rien. Hein.
Ouais, 200 000, 200 000, 200 000. Ouais, c'est une bonne régène, ça, dans l'ensemble. Par contre, on va pas mettre l'aspect de Twigo. Est-ce que je mets l'aspect de Twigo pour faire beau? C'est quoi, j'essaie de finir avec Twigo, comme ça. Je pense que je finis, non? Voilà, il a forcément, pour être full vie. Frère, il termine, non? Ok, non. Allez, Twigo, bon, je pense qu'il va pas terminer. 42 000. Ok. 42 000. Il a fait 42 000 dégâts, le ref, hein, quand même. Hein. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, hein. 42 000 dégâts. Ah ouais. Ah ouais, le ref, il avait la flemme, en fait. Ouais, c'est une dinguerie, là, ce qui vient de se passer. Bon, tu sais que les tâcherons, on va galérer, hein. Je le redis, hein, si on a pas assez de skill. Après, est-ce qu'on peut tanker l'aspect... L'aspect de notre ami. Compliqué quand même, non? Là, on va stacker la relique. Comme d'habitude. Sur le but de la team, je le redis, mais c'est juste de stacker, stacker, stacker. Vous faites que ça, en fait. Vous faites que ça. Tu stacks ta team. Et après, en vrai, t'es bien. Hein. Genre, vraiment, les gars, vous êtes tellement bien dans la game. Là, le but, en vrai, c'est d'essayer de tanker un maximum. D'avoir un maximum de heal. Forcément, ça joue sur la RNG. Ok, pas mal. Pas bon sang, quand même. Ça va, en tant qu'on a trop de vie, hein, vraiment, les gars. En fait, Twigo, là, ce qui est fort, c'est que le personnage a beaucoup trop de vie. Donc, ça rend la chose vraiment broken. Ça rend vraiment le truc broken. Ah, le buff d'attaque, en vrai, ça... Oh, je prends tellement cher. Oh. En vrai, là, c'est pas après, je vais la tanker. Je vais la tanker, clairement, mais en vrai, ça sera très compliqué. Hein. Très, très compliqué. Hein. En vrai, là, merci de Twigo d'exister. Là, on a les buffs de frères. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va bloquer les buffs. On va vider sa main, du coup. Le but aussi, d'ailleurs, c'est d'avoir l'aspect de Twigod. Après, on l'aura plus tard. Bon, tu sais quoi, on va faire ça. On l'aura plus tard, donc c'est pas très grave. Hop, on bloque les buffs. L'aspect va faire vraiment très mal. Hein. Je vous le dis, les amis. L'aspect va me faire très, très mal. Faut faire attention. On doit avoir un skill d'Elisabeth pour enchaîner. Spoiler, on l'a pas eu. Ça va. Ça va, ça va. Peut-être devoir attendre, du coup. On va la posture avant. On va pas pouvoir heal. On va vider sa main. On remet un buff. En vrai, la main, elle est pas... Ouais, bah on peut... Après, le truc qui est cool, c'est qu'on peut tanker. Je le redis, parce que la team est très très forte pour ça. Bon, pour toi, tu fais au moins 0 dégâts. La team est très très forte pour tanker. Mais... Il faut avoir un peu de chance, quand même. Hein. T'as pas de chance sur la... Ok. Bah, GG. C'est bien ça. En vrai, là, on est bien tanké, on est bien stacké, pardon. Donc, en vrai, en termes de tankiness, ça devrait le faire. Oh, bon, là. Attends, je prends une spé après. Ok. Alors ça, par contre, les gars, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Parce que là, est-ce que je tanke, hein? Telle est la question, hein. Telle est la question. Là, j'ai pas envie de prendre le focus sur Twigod. Là, j'ai pris du combien? Attends, il y a combien de vie, là, le perso? J'ai pas regardé tout à l'heure la tankiness, hein, honnêtement. Après, si on peut enchaîner, why not, hein. T'as combien de vie, là? 406 000, elle doit avoir... Ouah, ouais, c'est compliqué, quand même. Hein. Ah, je peux enchaîner. En vrai, je peux mettre les spé. Ouais, c'est quoi, je veux comme ça. Là, on va prendre le focus sur Twigo. Donc, ça sera très compliqué. Après, on a un peu de régène, mais le truc, c'est que le perso fait pas de dégâts, en fait. Le perso ne fait pas de dégâts, donc c'est trop compliqué de régène. Là, la soie va faire du combien, tu vois, par exemple. Oh, what? Ok. D'accord. Twigo, tu me caches des trucs? The fuck? Oh, t'as fait autant de dégâts, mec. Wesh, les gars, il a fait des dégâts de ouf, non?
Je joue les gars, limite, il m'a choqué le perso. The fuck? Ça va, frérot? J'ai l'impression que t'as envie de nous dire un truc, là. T'as envie de montrer que t'es juste broken. Ok, d'accord, bah merci, frérot. Pour l'aspect de Freya qui va bien carry aussi. Bon, après, le truc, c'est Freya aussi, elle est trop cheatée, hein. Genre, Freya, le truc, c'est que le personnage fait juste trop mal. Facilement. Pas très compliqué de faire beaucoup de dégâts avec elle, je trouve. Ah, par contre, c'est que la tankiness, elle est un peu débile, hein. Elle est très débile, même, la tankiness, je trouve, hein. Donc là, tu vois, c'est pareil, mais on n'avance pas dans les dégâts, en fait. Depuis tout à l'heure, je fais du surplace, quoi, hein. Après, en vrai, je me demande si on va tanker, hein, parce que le boss, en vrai, les gars, il va se faire... Ok. Pourquoi t'as tapé ici, d'ailleurs, toi? The fuck? Donc là, il y a son augmentation de dégâts. Ok. Ok, ok. Alors, on va mettre les SP. On va heal juste après. Il va enlever un buff avant. On a combien de vie sur la team? En vrai, est-ce qu'on heal? Est-ce qu'on heal? Parce que là, en fait, il y aura le buff d'attaque. Est-ce qu'on heal? Ça sont 11 000. Ça sont 84 000. Je pense qu'on va devoir heal. Hein. Bon, go. Au pire, si on meurt, bah GG, on est mort. Hein. Écoute, frérot, on va pas non plus perdre notre temps. Boum. Bah, en vrai, je pense que Twigo est mort. Hein. Augmentation de dégâts aussi. Ouais, frère. Ouais, j'ai pas de chance là. Hein. Ça, je prends l'augmentation de dégâts dans la bouche. Oh, le singe, par contre, il m'a juste aspiré en 8. Hein. Oh, Twigo est mort. Non. Bah, 905 000. Ah, j'ai roulé l'augmentation de dégâts. Comment j'ai la haine? Comment j'ai la haine, les gars? J'ai envie de me foutre en l'air, genre. En vrai, la game, elle était free. Hein, genre, vraiment, en fait. Vous tuez pas cette phase, honnêtement, c'est tranquille, hein. Les gars, vous passez cette phase, je trouve, honnêtement, c'est la plus dure, hein, ici, hein. Genre, en vrai, cette phase, c'est la plus difficile, hein. Après, t'enchaînes tes SP, parce que la phase 3, c'est simple, hein. Tu mets une SP de frère, c'est bon, t'enlèves 70% minimum. Freya, pareil, enfin, je veux dire, t'es bien, quoi. Un peu le seum, hein. Mais bon. Après, le truc, c'est que, encore une fois, j'ai perdu trop de temps. Hein. Je le redis, mais j'ai perdu trop de temps. Hein. Mon DPS, frérot, j'ai... Oh, ouf. Perdu 10 ans, quoi. Hein. Perdu 10 ans parce que bah j'ai rushé mes spells. En fait, Elisabeth, c'est fort. Oh, j'aurais pas dû spé avec Elisabeth. Hein. Après, non, je me prenais quand même le focus sur Twigo, parce que Twigo ne tank pas, en fait. Ça, c'est le gros défaut, le personnage, c'est qu'il bah, il tank pas. Après, je vais te dire, c'est pas de sa faute, hein, parce que, bon, le personnage, il date de l'Antiquité. À un moment donné, j'avoue que c'est pas de sa faute. Mais c'est quand même chiant. En vrai, le perso a sa relique, donc c'est pas mal. En vrai, il peut faire des bons dégâts et tout en début de game, mais c'est au début de la game, quoi. C'est les deux premiers tours. Enfin, c'est un personnage PVP, quoi. Hein. J'ai pas... Je peux faire un dessin, hein. Vous connaissez les bails, hein. Faudrait que j'enlève la posture après, d'ailleurs. Ça serait cool. Ça, on n'est pas bien. Je vais pas pouvoir heal, en fait. Faudrait une carte de frère ou juste une monocycle de Freya. Donc la carte pour fusionner, là. S'il te plaît, le jeu. Ah. Bah, la game, elle est morte, hein. Je peux pas heal après. Genre, ok. Ok, le jeu. Oh. Que c'est horrible. Bon, voilà les gars, on est pas mal, hein. On est pas mal dans la game. On a pas mal de cartes d'Elisabeth et tout. En vrai, on est bien stacké là, hein, je vous dis. On est très très bien. Mais en vrai, bah c'est simple, hein. Je veux dire, les gars, en fait, le fait est d'avoir Elisabeth dans ta team, c'est juste broken, hein. Après, t'as les deux persos Snake, on va dire. Frère, je le compte dedans, mais c'est plus Freya ici. T'as capté? Mais ouais, c'est tranquille, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment, les gars, sans prise de tête, quoi. Là, on va juste taper bêtement.
Personne. Oh ouais, c'est tellement fort, Elisabeth, c'est grave. Hein. Ah là là, il y. Tellement forte comme perso. Bon là, tranquille, hein, encore une fois. Tranquillamente, les amis, on va enchaîner tout ça. Vous connaissez les bails. Vous connaissez. Après, on a un stack de dev de 60%. On veut pas mal. Faire ça. Ça. Ça, on va go. En vrai, ouais, en fait, le truc, c'est que si tu tankes, genre là, si tu tankes tranquillamente, franchement, posé, hein, comme on dit. Bon, ça, par contre, c'est chiant qu'il change de cible, sans raison, tu sais pas pourquoi. Là, c'est vrai que c'est trop chiant, hein, genre le bot, frérot, je sais pas, il se fait des kiffs, hein. Je te jure, c'est un truc d'eau, au fond. Genre le bot, frérot, il se dit, ah, bah, tu sais quoi, bah, on va changer de cible ici. J'aime bien. C'est grave, quand même, hein. En vrai de vrai, j'ai même pas envie de heal. Pour la simple raison que bah, tout à l'heure, on avait encore le buff d'attaque. Donc forcément, je lui booste son attaque à fond. Donc c'est pas intéressant, je trouve. Par contre, mon Twiggo peut mourir, ça c'est sûr. À cause du snatch. En plus, il tape avant lui là. Bah, en vrai, c'est chiant, hein, genre vraiment. Ah, envie de mimir hein, quand même. Hein. Est-ce qu'on va faire ça, allez hop. Je sais pas si c'est vraiment utile de le mettre, hein, honnêtement, le buff. Parce qu'après, il faut cleanse. Bah, en vrai, je sais pas si c'est réellement utile ce que je viens de faire, hein, très honnêtement. Parce que après, si le snatch reste, si j'ai pas de carte, bah voilà, tu vois. Alors, typiquement, c'est ce que je redoutais. Meurs pas, please. Par contre, on a rien pris, hein. C'est dramatique, mon ref, hein, quand même. Hein. C'est dramatique. On va faire ça. Ça, ça, genre, you. Oh non, je vais mettre à 0%, mais c'est une blague. Comme une envie de me foutre en l'air, en fait. Peut-être mourir sur ça, en fait. Hein. Ouais. Bien renseigné, ouais. Ouais, si tu tapes toujours là, frérot. Ah! Pourquoi tu tapes là, en fait? Oh, la blague. Mais pourquoi tu tapes là, frérot? Oh, c'est un truc de ouf, ce boss. Comment il pue la mort, en fait? Frérot, tu fais avec tous les persos de l'univers? Oh là là. Bah, en même temps, je manquais de DPS, quoi. Putain, j'ai le seum. Oh, c'est chiant, la perte de temps, quoi. Mimir Max, quoi. En vrai, les gars, n'empêche, je repense à mon play d'avant, là. La game d'avant, je suis mort. En vrai, j'aurais dû garder le bonus. Franchement, les gars, j'aurais dû garder le bonus. Je pense que le mettre, c'est pas utile parce que tu vas tanker. Le truc, c'est à force de jouer plein de teams différentes, j'ai gardé des réflexes. Moi, honnêtement, avec ces teams, je pense que c'est juste nul hein, de faire ce play. Je sais pas, les gars, vraiment, je sais pas. Oh. Par contre, Freya. Ah, je t'aime bien, ma grande, hein, mais là. C'est un peu chaud, en fait. Bon, je suis NSP, hein, c'est cool, hein. C'est cool, mais... Un peu chiant, elle, quand même. Allez, Twiggo. Montre la puissance, mon ref. Bien nul, hein, quand même, hein. Lol. Mais ça, je comprends pas pourquoi, en fait, ça focus Twiggo. Genre, vraiment, des fois, le boss, il se dit « Oh, Twiggo, allez, on va le martyriser un peu. » C'est mon plaisir de la journée. Oh, ça me fume. Alors pourquoi en fait? Je peux heal avant pour gagner un peu de stats de base. En vrai, c'est pas optimum play de base. Ouais, c'est que ce play est pas très ouf. Hein. Tu vois, c'est pas. Frérot, arrête, s'il te plaît. J'en peux plus qu'il fasse ses focus bizarres là. Genre le ref, pourquoi en fait? Pourquoi tu changes tes focus Ah, c'est un peu bizarre, hein, vraiment. Un peu bizarre cette histoire, hein.
Je vais pas prendre le focus de Twigo, quoi. Après, le perso a beaucoup de PV, mais bon, il se prend un crit, tu l'as bien vu, hein, direction Namek. Ouais, bah écoute, info. De toute façon, j'ai pas 30 000 plats à faire, hein, j'ai envie de dire. Je vais pas réinventer le jeu. Hein. L'aspect. Ok, ça c'est bien. Là en fait c'est le snatch. En vrai là le truc c'est que j'ai de l'attaque supplémentaire. Oh non frérot, il va me refaire la même chose. Je vais péter mon écran. Oh mais j'en ai marre. Mais pourquoi tu changes de cible? Oh la vie, je finis avec 3 persos hein. Je te jure que je finis avec 3 persos gros. C'est bon, j'en ai marre de tout reset en fait. Ah c'est bon, je finis avec 3 persos flemme. La vie de toute façon c'est simple, c'est trop easy peasy ce mob. Franchement tranquille, hein. On va juste aller hop, on perd Twigo, de toute façon il sert à rien dans la game en fait. C'est bon, je le fais avec 3 persos les gars. Je le fais avec 3 persos, tranquille, ouais. Bah, franchement les gars en fait il sert à rien le perso, je veux dire... Yo. Et là on va juste garder nos skills, hein, je veux dire yo. Allez, on enchaîne. 0%. Augmentation de dégâts. Ouais, m'en fous, hein, clairement. Je m'en fous, les amis. Je m'en fous. Grave, quand même. Hop, on finit avec ça. Ouais, je peux avoir peut-être l'aspect de frère, hein, même. Hein. Je vais la gratter, je pense. Hein. Go la gratter, en vrai. Ouais, je suis avec 3 persos, je termine le truc, quoi. En vrai, c'est pour dire à quel point Twigo sert à rien. En fait, c'est pour LOL, hein. C'est pour le LOL de la vidéo, mais... En fait, on a pas besoin de Twigo, je veux dire, le perso est pratiquement inutile, hein. À part des stats, bon, c'est cool, hein, les stats, hein. Je dis pas non, tu vois, mais bon. Regardez l'aspect juste après, pour enchaîner. Tu vois les dégâts, là? Oh, bah, je veux dire, frérot, je vais faire le combat avec 3 persos. À partir de là, y a un problème dans le snack, quoi. Lol, n'importe quoi quoi. Bon, faudrait pouvoir enchaîner les spé, ça serait parfait. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Enfin les gars, je veux dire à partir de là c'est GG, hein, là vous connaissez. Hein. Les cartes d'Elisabeth, on enchaîne les spé, blablabla. Enfin, on connaît encore une fois, hein, c'est du revu, c'est du réchauffé comme on dit. Ouais, juste vider ma main en fait. Hein. À partir de là, on va faire que ça à l'infini en fait. Hein. Bon, par contre, là, on pourra pas enchaîner les spé comme d'habitude parce que c'est vrai. Ouais, non, en vrai, ça devrait le faire. Je pense que ça sera plus compliqué de prévu quand même. Parce que là, on peut pas enchaîner comme on le souhaite. On va perdre un peu plus de temps, ça c'est clair et net. Est-ce qu'on a besoin de... La potion, faut qu'on l'enlève après. On va enchaîner les spé comme d'habitude. Ça c'est le but de la team, enchaîner les spé. Après on va avancer avec le pourcentage, hein, mais... Enfin le pourcentage, pardon, il va avancer. Mais bon, on va pas tuer au cinquième tour, hein, comme d'habitude. On va dire que c'est le seul problème. Bon, par contre, on prend rien. Hein. Je veux dire, les gars, là, j'ai pas de stack de def, en fait. Hein. J'ai aucun stack. Hein. Là, je me balade juste, en fait. Faut juste avoir les SP. C'est que les SP, on galère à les avoir, du coup, vu qu'on a que 3 cartes. Ça, c'est vrai. On galère un peu, quand même. Hein. On fait mal, hein, tant mieux, hein, je veux dire. Mais on galère, quand même. Hein. On galère, les amis. On galère. Wow. Ah c'est vrai qu'on prend très cher avec cette team, hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est limite idiot, hein, je vous jure. Hein. Yep, on va mettre la spé. En gros on peut taper, là on n'a pas besoin de heal hein, clairement. On va heal après.
faire ça. C'est en fait, on va juste DPS bêtement, hein, clairement. Là, on a 25% pile poil. Après, on va mettre l'aspect de frère. Donc, on va heal avec l'aspect d'Elisabeth. Et pour avoir le bonus de dégâts. Rock d'armes, bon, c'est pas très grave ici, clairement. Et GG, hein, genre, en vrai, les gars, je le redis, hein, mais le serpent est juste trop simple. Hein. Tu le fais avec 3 persos, hein, clairement. Hein. C'est juste trop trop simple. Des barres. Hein. C'est vrai que c'est marrant, ouais. Enfin, bref. Bah, GG. Hein. Oh. Twigo, très utile. Hein. En tout cas. Bon, bah écoutez, les amis, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchou !